gilet. Le flandroit liégeois du Sporting d'Anderlecht avec Le Jarre. Elle est pas mal avec Lukaku qui est premier. Ouh, l'occasion pour Lukaku. Ah oui, c'était déjà une première occasion là-bas sur ce flandroit avec Le Jarre. Et évidemment, vous voyez qu'en deux passes, ça peut aller très très vite. Ah, c'est la première fois que le flandroit était en action. Elle passe, elle est bonne, elle est excellente, il doit lever la tête ou elle est seule. Il a levé la tête, il a... Ouh, il y a une faute. Il y a une faute. Il y a une faute, mais c'est but quand même. C'est but quand même de Lechtan. Mais si ça ne va pas au fond, il y a un pénalty. Hein. Mais au départ, qu'est-ce que ça a été vite. Qu'est-ce que ça a été très très vite comme mouvement en Anderlechtois. 0-1 en moins de 10 minutes. But de Sacha Lechtan. Ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Il était là au bon endroit, mais ça a été vite. Hein. Bon passe. Kouyaté, oula, attention, oh, attention, mauvaise balle de Kouyaté avec maintenant Buffel, oh c'est bien joué, c'est magnifique, c'est splendide, c'est super. Splendide ce but de Thomas Buffel, là on retrouve le Buffel de la grande époque, j'ai envie de dire. C'est vrai, mais quelle perte de balle Marc, quelle perte de balle là au milieu de terrain. Alors, on a donné un ballon qui tue comme on dit, et là il évite magnifiquement. Qu'est-ce qu'il peut faire Proto? Rien du tout, réduire l'angle. C'est un ballon qui n'est pas bien donné à Boussoufa de la part de Kouyaté. Bien fait ça. C'est bien joué ça. Kekchiak, là il a d'avance, là il a d'avance sur Barda. Et là pourquoi pas. Et pourquoi pas. Est-ce qu'il était volontaire ce tir? Ah, je pense que oui. Attention, lui parler, Kleistan, Kouyaté, le voilà. Le Jarre, il y a du monde pour un centre, il est pas mal le centre, et il est bon, oh, super. Lukaku, il est bon Lukaku. Les deux mêmes encore, hein. Marc, les deux mêmes encore une fois. Ah, le Jarre qui est décisif sur tous les ballons. Ouais, mais c'est Lukaku hein, quand même qui la met au fond, je veux bien, mais j'en connais pas beaucoup qui étaient capables de mettre ça, hein. Un centre, soit. Le Jarre qui va passer encore. Oh, c'est goal ça, non. Canou et Courtois finalement. Ça, c'est le tournant du match. Oui, c'est le tournant du match parce que Canou n'y a pas cru. Hossein, de l'autre côté, Camus. Petite balle piquée. Proto. Et Mazou. C'est pas terminé avec Buffel, Barda. Bah, oh, ouh, quel rappel. Camus. Ah. Qu'est-ce qui rate là, Camus? Alors c'était une situation assez confuse, hein, avec cette balle dans un premier temps ratée par Proto. Elle était compliquée à aller chercher, on la revoit. Oui, c'est compliqué d'y aller parce que Camus la touche légèrement. Et pas mal. Pas mal, pas mal. Où est le ballon? Où est-ce qu'il est? C'est pas possible. C'est but ça. Hors-jeu. Bon ben là... Barda est hors-jeu, on est d'accord. Oui. Je sais pas où il est hors-jeu, moi. Mais ou alors, il siffle. Quand Barda vient après que Proto ait relâché le ballon. Ça, d'accord. C'est pas fini. Avec Poutil, il passe. Non, Vincent non plus. Où est ce ballon? C'est but, ça. Non. Ouf. Illusion d'optique. Ouais. Et le retour de gilet. Bonne balle. Oh, Proto qui est bon aussi. Barda la retourne, il ne peut pas. Buffel non plus. Ah, ils ont quand même eu des occasions. Hein. Oui, ils ont des occasions, tout à fait. Souvent, maintenant, sur ces coups de coin. Un petit contre favorable, malheureusement, n'arrive pas à cadrer. Pas encore d'abonnement foot? Prenez maintenant MyClub et suivez votre équipe favorite sur Belgacom TV pour seulement 9,95€ par mois. Plus d'infos au 0800 33 800.